C'était pour moi aujourd'hui les premières rencontres francophones de la santé. J'ai été frappée par la qualité des échanges, la capacité des uns et des autres, public, privé, nord, sud, quel que soit finalement là où on se place, l'envie de travailler ensemble. Des pays qui travaillent plus en coopération qu'en compétition pour faire en sorte que l'accès aux soins soit amélioré. Je retiens quelques idées pour la suite. Par exemple, la formation. Grâce à la digitalisation, nous allons pouvoir toucher des populations les plus reculées. J'ai appris, par exemple, aujourd'hui, l'existence de relais communautaires. Quand on parle de politique de santé, on parle souvent de politique nationale. Là, on s'est parlé de quoi? C'est d'actions très locales, de gens sur le terrain qui repèrent. Et qui repèrent quoi? Les situations de difficulté qui font remonter. Une autre idée intéressante de l'après-midi, c'est l'idée des centres d'excellence. En effet, chaque pays veut produire pour créer de la souveraineté, mais ce n'est pas raisonnable. Créer des centres d'excellence, des hubs en Afrique, permettrait de travailler sur de la souveraineté sur le continent africain. Je ressors de cet après-midi avec une énergie, avec la conviction profonde que la puissance d'agir ensemble nous amènera très loin.